Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La journée du vendredi est une journée extrêmement importante dans la vie du croyant, du musulman. Tout simplement parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith rapporté par Muslim que le meilleur jour sur lequel s'est levé le soleil, c'est le jour du vendredi. Premièrement, parce que c'est cette journée qu'Allah Jalla wa'ala, ou lors de cette journée qu'Allah Jalla wa'ala a créé Adam alayhi salam. C'est cette journée-là où Adam fut introduit au paradis, c'est cette journée-là où Adam alayhi salam fut sorti du paradis. Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle l'importance du jour du vendredi et il nous appelle à se rendre aux mosquées le jour du vendredi lorsqu'il dit « Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au » Il a décrit Allah wa darul bay'. Oh, vous qui avez cru, lorsqu'on appelle à la prière du vendredi, eh bien, accourez vers l'évocation, le rappel de Dieu et délaissez tout négoce. Alors, la journée du vendredi, il est important pour tout croyant et croyant de savoir qu'il y a des règles de bienséance à adopter lors de cette journée-là, des sunan à adopter. Parmi ces règles de bienséance, 1. Multipliez les prières sur le prophète alayhi afdalus salat wa azka taslim. Notre prophète alayhi salat wa salam nous dit multipliez les prières sur moi et il nous rappelle qu'il faut le faire particulièrement les nuits et les journées du vendredi. Et il dit alayhi salat wa salam, celui qui prie sur moi une fois, Allah Jalla wa'ala prie sur lui 10 fois. Donc multipliez la prière sur le prophète en disant alayhi salat wa salam ou bien Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Parmi les règles de bienséance, 2. C'est de venir le plus tôt possible le jour du vendredi à la mosquée selon ses capacités. Et c'est ce qui nous attriste malheureusement. Beaucoup de personnes ont les capacités de venir tôt et ils viennent à la dernière minute, plus que cela, quelquefois à la dernière seconde. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit fi sahih que le jour du vendredi se poste devant les portes du mosquée, des mosquées, des anges. Et ils ont des feuillets et ils notent ici, en ordre ou par ordre, le nom de chaque personne qui rentre à la mosquée. Et quand l'imam prend part au sermon du vendredi, se met ici en place afin de faire la prière et le sermon du vendredi, eh bien ici, les anges ferment les feuillets et se rendent deux dans la mosquée afin d'écouter le sermon du vendredi. Plus que cela, le prophète alayhi afdalus salat wa azka taslim nous dit celui qui se rend à la mosquée la première heure, c'est-à-dire le plus tôt possible, le premier temps de la journée du vendredi après salat as-subh, il a la récompense équivalente à celui qui aurait donné en aumône une chamelle en offrande. Celui qui se rend à la mosquée le deuxième temps, il a en aumône ou en récompense l'équivalence de celui qui aurait donné en offrande une vache. Celui qui se rend le troisième temps, il a comme récompense ici ce qui correspond à celui qui aurait donné en offrande un bélier. Celui qui se rend au quatrième temps, il aura comme récompense ce qui est équivalent à celui qui aurait donné ici en offrande une poule. Et celui qui vient au dernier des temps, il a comme récompense l'équivalent à celui ou ce qui est équivalent à celui qui aurait donné comme aumône un œuf. Et quand l'imam monte sur le chair, ici les anges ferment les feuillets et prennent place ici à la mosquée. Donc il est important de venir tôt à la mosquée tout en sachant que le prophète alayhi salatu wassalam nous a motivé à venir tôt à la mosquée lorsqu'il dit fi sahih dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi et Al-Bayhaqi et d'autres bi sanadin hasan. Il nous dit toute personne qui se lève tôt et qui vient tôt à la mosquée en ayant effectué les grandes ablutions et en ayant été à la mosquée en marchant selon ses capacités sans prendre sa monture et qui rentre dans la mosquée, qui s'approche de l'imam et qui se concentre, eh bien il aura comme récompense pour chaque pas effectué quand il s'est rendu à la mosquée ce qui correspond à un an de jeûne et un an de qiyam al-layl, prière de la nuit. Troisième des choses, parmi les choses à faire le jour du vendredi et qui est accessible à toutes et à tous, c'est lire Suratul Kahf, la sourate, la caverne. Alors si on ne peut pas la lire en arabe, eh bien on la lit selon nos capacités, bien sûr donc en français. Mais il est recommandé de la lire particulièrement en arabe. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, toute personne qui lit Suratul Kahf le jour du vendredi, Allah tabaraka wa ta'ala lui accordera une lumière jusqu'au vendredi prochain. Parmi les choses à faire le jour du vendredi aussi, c'est multiplier les invocations. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, le jour du vendredi, il y a un temps qui est vraiment limité et très court, où toute personne qui se trouve à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala au moment de ce temps qui est très court, Allah jalla wa ala acceptera son invocation. Certains savants disent que c'est après l'asr, d'autres disent que c'est au moment où l'imam prend position sur le mimbar jusqu'à ce qu'il accomplisse la prière. Dans tous les cas, multiplier les invocations et les évocations aussi, le dhikr, lors du vendredi. Parmi les choses à retenir pendant le jour du vendredi,
c'est qu'il est impératif de délaisser certaines mauvaises habitudes. Parmi ces mauvaises habitudes, c'est de parler ou de se consacrer à des futilités. Le prophète alayhi salatu wassalam a vu une personne dans le hadith rapporté par Ahmed. Ici, il a vu une personne rentrer dans la mosquée et enjamber les gens, c'est-à-dire pour prendre position le plus près de l'imam. Alors qu'il est venu en retard, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Ya fulan, oh un tel » alors qu'il sermonnait les gens, alors qu'il faisait le prêche du vendredi. « Assieds-toi, car certes tu as fait quelque chose de mal. » Parmi les choses qui sont à délaisser aussi le jour du vendredi, eh bien, c'est les futilités qui vont te déconcentrer, comme le fait de parler, ou ne serait-ce que de dire à ton frère ou à ta sœur « Tais-toi, garde le silence. » Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, le jour du vendredi, alors que l'imam fait le prêche, toute personne qui dit à son frère « Tais-toi », eh bien, il aura prononcé une futilité. Et dans un autre hadith, toute personne qui a prononcé ou commis une futilité lors du vendredi, il n'a pas de Jumu'ah. C'est-à-dire que la prière est acceptée, incha'Allah, mais il perd toute la récompense du vendredi. Donc dès que l'imam commence le sermon, il est interdit de discuter, de parler, de jouer avec son téléphone ou autre chose, strictement interdit. Et celui qui le fait, eh bien, il a perdu la récompense du vendredi. Et cela est autorisé de parler brièvement si vraiment c'est une daroura, une nécessité. Parmi les choses qui sont impérativement à délaisser le jour du vendredi, eh bien, c'est de vouloir venir écouter un rappel le jour du vendredi sans appliquer ici ce qu'on a entendu sûrement le vendredi précédent. Je vise ici les personnes qui se rendent à la mosquée le jour du vendredi et qui se garent n'importe où sans respecter le voisinage, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Et ça, c'est une preuve qu'il y a un manque d'application et de compréhension des rappels qui sont prononcés le jour du vendredi. Donc, celles et ceux qui se rendent à la mosquée du vendredi doivent se rendre avec un bon comportement en appliquant des bienséances. Et parmi ces bienséances-là, c'est de se garer de la meilleure des manières ici afin de ne pas déranger son voisinage. Et ça, c'est quelques règles de bienséance à appliquer le jour du vendredi afin que cette journée-là soit une journée bénie, sans oublier que cette journée-là est considérée en islam comme un Eid, une journée de fête pour les musulmans. Donc faites vivre cette ambiance religieuse à la maison, dans les mosquées, tout au long de cette journée-là. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous bénisse. Walhamdulillah.